Bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Carrette épisode 26, le Skyactiv X. C'est un moteur qui est bizarre, hein. On va voir ça là, tout de suite. Là. Skyactiv, c'est la gamme de moteurs de chez Mazda qui montent dans leurs voitures, comme DCI ou TCE chez Renault, ou Blue HDI et PureTech chez Citroën par exemple. Bah là c'est Skyactiv. Il y a déjà deux moteurs qui existent chez Mazda, le Skyactiv G, pardon, je suis vraiment désolé, je le fais pas exprès, on va faire autrement. Donc il y a deux types de moteurs qui existent chez Mazda, c'est plus sûr. Le Skyactiv G qui est le moteur essence, et le Skyactiv D qui est le moteur trop fort, diesel. Vous êtes fort, hein. Putain, mais franchement, je sais pas comment vous faites. Et ben là, on en rajoute un, Skyactiv X. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va déjà remettre à plat le principe de fonctionnement et surtout le principe d'explosion entre un moteur essence et un moteur diesel. On va essayer de comparer les deux. Pour un moteur diesel, le cylindre descend. À ce moment-là, on injecte un mélange gasoil-air. Ensuite, le cylindre remonte, fait du coup une compression de tout ce mélange-là. Et le gasoil a une faculté à brûler sous la pression très rapidement. Donc, va arriver à une certaine pression, donc souvent une pression quand le cylindre arrive tout en haut, tout le mélange brûle, explose, et le cylindre redescend sous cette force. Cette explosion, en fait, elle se produit à plein de points différents du mélange, parce que vu que c'est une explosion sous pression, c'est le principe physique hein, qui veut ça, c'est qu'en fait, c'est pas une grosse explosion générale. C'est en fait, si on regarde dans le détail le mélange qui explose, ça se produit à plein de points différents. Un moteur essence, pareil, le cylindre descend, on injecte essence air, le cylindre remonte, le mélange est compressé mais à une pression un petit peu moindre que les moteurs diesel, et surtout bah, l'essence n'a pas la même faculté à exploser sous la pression que le moteur diesel, que le gasoil plutôt, mais t'as compris. Donc si on fait rien de plus, ça explosera pas, ou ça fera des explosions, mais voilà, et ton moteur il sera noyé à la fin. Pour ça qu'on a mis une bougie qui crée donc une étincelle, et forcément sous l'étincelle bah l'essence ça explose un petit peu, je crois. Putain. Et bah là le Skyactiv X c'est le meilleur des deux mondes, c'est à dire que en même temps, bon là c'est toujours le même principe, on injecte essence air. Sauf que dans le mélange, il y a beaucoup plus d'air que d'essence. Ce qui fait que quand le cylindre remonte, la compression est vachement plus élevée qu'un moteur essence classique. Du coup, l'essence a cette faculté du coup à brûler sous la pression. Et pour rendre le truc encore plus efficace, on y a rajouté aussi par-dessus une bougie, comme sur un moteur essence classique. Donc la différence va se jouer ici. C'est surtout que on va faire exploser le mélange grâce à cette bougie et grâce à la pression qui est créée par le cylindre qui remonte. Ça s'appelle en fait, chez eux, ils appellent ça une explosion maîtrisée en fait, un petit peu, tu vois. Ce qui fait que cette espèce de double explosion là, c'est vachement efficace, c'est vachement plus efficace qu'un moteur essence classique. Donc là, on va parler un petit peu de chiffres. Donc par rapport au moteur essence Skyactiv G, là, on pourra gagner jusqu'à 30% de couple. Le couple, c'est la force brute du moteur. Donc on va pouvoir gagner jusqu'à 30% de couple en plus, jusqu'à 25 chevaux gagnés aussi. Jusqu'à, hein, attention, calmez-vous, hein, c'est pas un chiffre à rater, c'est jusqu'à 25 chevaux en plus. Mais du coup, qu'on injecte moins d'essence, et eh ben tu auras de 20 à 30% de consommation en moins par rapport au Skyactiv G. Du coup, ça fait que le moteur va rejeter de 20 à 30% de CO2 en moins. Et ça, c'est très bien pour moi, parce que pour moi, c'était ça le problème des moteurs essence, c'est qu'ils rejetaient énormément de CO2 par rapport au moteur diesel. C'est pour ça que je disais que l'essence, c'était de la merde. Et aujourd'hui, je vais commencer à te dire que le moteur essence a de l'avenir, enfin, avec ce Skyactiv X. Parlons des particules fines, parce que les moteurs essence en rejettent maintenant à cause des systèmes qu'on leur monte à la gueule et tout, avec des injections communes et tout. Là, ça rejettera un peu moins de particules fines qu'un moteur diesel. Alors, c'est normal, me direz-vous, parce que les moteurs essence en ont tout le temps rejeté moins. C'est sûr. Mais là, on est sur des niveaux encore un peu plus bas. Bon, ça doit être du fait que, vu qu'il y a moins d'essence qui est injectée, donc voilà, il y a moins de particules fines qui se créent, forcément. Hein, tu mets beaucoup de bois, ça fait un gros feu. Tu mets une bûche, ça fait un petit feu. Voilà, et donc ben, le principe de tout ça, c'est justement à cause de ça. C'est ce que je disais là, c'est qu'en fait, on va injecter peu d'essence, on va injecter énormément d'air. Ce qui fait que ça va créer une compression, mais
de malade. Et en fait, c'est là la différence du Skyactiv X par rapport à un Skyactiv G, c'est la compression, le taux de compression à l'intérieur des cylindres. Le taux de compression est vachement plus élevé, ce qui fait qu'en plus d'exploser avec une bougie, eh ben, ça explose aussi avec la pression, avec la compression créée par le cylindre. Et surtout le détail de cette explosion au niveau du Skyactiv X, c'est que l'étincelle créée par la bougie va être créée juste avant l'explosion spontanée de l'essence. Et en fait de faire ça, ça va faire grimper d'un seul coup en flèche la température du mélange. Et du coup, c'est un peu grâce à cette bougie quand même que le mélange explose. Mais du coup, ça va quand même aussi exploser sous la pression. Puisque si la température augmente, la pression augmente aussi. Donc forcément, voilà, ça induit tout ça. Voilà, donc pour moi, le moteur essence a enfin un avenir à peu près correct. Grâce à ce moteur-là, le Skyactiv X, vous le retrouverez où, ce moteur-là? Et bien, vous le retrouverez sur la Mazda 3, sur la nouvelle Mazda 3. Le moteur Skyactiv X va être monté sur ces voitures-là. Je vous laisse le soin, si vous voulez vous acheter une Mazda, bah, je vous laisse le soin de prendre cette motorisation-là. Vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, je me dirais toujours, c'est que le moteur essence face au diesel, c'était pas gagné d'avance. C'était soit le moteur diesel, on chopait tous le cancer du poumon et on décédait, ou le moteur essence, on trouvait la couche d'ozone comme des... La couche d'ozone. La couche, en plus, la trou... Je suis fatigué. Il faut me pardonner, je suis un peu fatigué. Je récapète depuis le début. Diesel, cancer du poumon, on crève. Essence, on trouve la couche d'ozone, le soleil nous crame la gueule, on crève. Donc bon, tu vois... Pour moi, c'était pas très, tu vois, à choisir. Je préférerais quand même laisser une planète correcte et crever d'un cancer du poumon que de trouver la couche d'ozone, mais comme un tarba, faire que tout ce qui est là, ça crame sous le soleil. On crame 50 degrés, on ne peut plus vivre. Tu vois, c'est invivable. Et que les générations futures bah, soient dans la merde par rapport à ça, tu vois. Voilà, c'est un avis personnel. Bref, là n'est pas la question. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode de Carrette. C'était le numéro 26. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand. Hein. Ça, je te laisse le soin de choisir une date. Voilà, c'est terminé. Bonsoir. À la prochaine. Ciao, ciao. J'ai oublié parce que bon. Et arrêtez aussi, c'est pas de ma faute. Je suis fatigué, c'est tout quoi.